Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va faire un vlog spécial confinement. Bon, il est déjà 18h, mais on s'en fout parce que de toute façon, on n'a pas de programme vu qu'on est à la maison. Donc là, en fait, je voulais vous montrer vite fait l'aspi que j'ai reçu. Vraiment, c'est un aspirateur 2.0. Et vu qu'on est là, on a la recherche d'activités à faire. Donc, on va ouvrir l'aspirateur ensemble. Ouais! Là, je suis en train d'essayer de faire un peu de place. Et ça fait un moment que je vais passer l'aspirateur sur mon petit tapis. Et vous savez très bien que les tapis, ça bouffe toute la poussière et c'est pas bien pour la santé. Et apparemment, c'est un aspirateur genre trop bien qui purifie, etc. etc. Je vais vous montrer ça. C'est un aspirateur qui était sur AliExpress, mais Christine dit qu'ils sont vachement au Dyson. J'essaierai de vous montrer la photo du Dyson pour vous comparer un peu les deux, mais jamais testé d'aspi Dyson. Bon, là je parle beaucoup, je vais chercher l'aspi. Voilà, oh putain, j'ai plus de batterie, il manquait plus que ça. Il ressemble à ça, mais il est super grand. Attendez, oh, comme ça. Donc je vais ouvrir. Ça fait grave longtemps qu'on l'a eu, hein, bébé. En tout cas, rien que pour le fait que ça te fait tuer du temps, commandez-le, les gars. Là, j'ai tout enlevé. Regardez tout ce qu'il y a. Tout ça. Bon, je vais essayer de comprendre un peu ce que c'est. Je vous reprends plus tard. Alors là, j'ai déballé. Il y a plein d'embouts. Il y a ça avec de la mousse. Il y a ça. Genre, on dirait un truc de lavomatique. Vous faites pas attention à la maison, s'il vous plaît. Un truc de lavomatique, là. Il y a ça aussi. Et c'est pareil, c'est comme de la moquette. Et à ça, on dirait que c'est un truc que tu dois accrocher. Et il y a une prise. Donc je vais regarder la notice et je vais voir. Et là, je l'ai monté un petit peu. Genre, j'ai mis ça au bout. Tu vois, c'est pour les femmes qui sont expérimentées. Tu vois, enfin moi, les gars, j'y connais rien à tout ça. Donc je pense que je vais le donner à ma belle-mère. Mais en tout cas, c'est hyper complet. Bon, du coup, en fait, j'ai lu le truc et il t'explique tout. À quoi servent chaque... en bout. Et donc là moi j'ai besoin du carpet roller, donc c'est celui-là pour les tapis. C'est trop stylé, je vais le donner à ma belle-mère, j'ai envie de le garder maintenant. Et après je l'ai pas dit, mais c'est un truc qui est sans fil et c'est trop stylé. Oh, bref, jamais été aussi excitée que de passer l'aspirateur là. Ça se voit que vraiment c'est le confinement, mais même en plus de ça c'est trop stylé. Et ça en fait c'est un truc que tu peux installer. Et tu dois le poser là-dessus avec le chargeur et il recharge. Donc Chris passe un appel pour les cours. Pendant que moi je passe l'aspirateur. C'est très cliché tout ça. Et en fait, c'est comme ça et je peux le mettre au max si je veux. Ça aspire de malade. Oh my god, mais ça aspire tout! Oh putain! Non les gars, c'est une dinguerie! Je vais le garder! Ça a lavé mon tapis! Ça l'a lavé! Je savais pas que mon tapis il était aussi sale en fait, je me rendais pas compte! Mais oh! Oh, tu te calmes! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver un peu pour une routine spéciale confinement. Donc là, il est 11h41 et je suis en tenue de sport. Je vais vous montrer après au miroir. C'est une tenue que j'avais achetée chez Primark. Et je vais faire ma petite séance de sport à la maison. Vous savez, depuis des semaines, je fais mon sport à la maison. Là ce matin avec Chris il a commencé à bosser parce que on est en confinement tous les deux à la maison. Il a commencé à bosser parce que il bosse quand même en fait, ses cours, il a quand même des examens et tout ça. Donc le matin directement il se met au travail. Et du coup là, vu que j'aime pas qu'on me regarde pendant que je fais mon sport,
Je l'ai envoyé dans la chambre, comme ça il fait une petite pause et après il reviendra. Donc, je vous montre ma tenue. C'est un ensemble de chez Primark. Comme ça. Je trouve qu'il est trop beau mon ensemble. Mais ma machine, elle rétrécit les vêtements parce que depuis le temps que je l'avais porté, le bas là, il était devenu trop. Non, il était déjà trop grand quand je l'ai acheté et là, il est devenu pile poil à ma taille. Donc bon, écoutez. Je vais faire ma petite séance tranquillement et je vous reprendrai après pour vous dire un peu ce qu'on va faire. Mais je pense que le programme aujourd'hui, c'est que je fais ma séance. Après, je vais me préparer parce que j'aimerais bien filmer une vidéo aussi pour ma chaîne principale. Parce qu'en ce moment, je publie grave parce que c'est le confinement et je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin de se distraire. Donc, j'en profite et peut-être qu'on va faire des petites courses. Donc, je vous emmènerai avec moi. L'amour, on se retrouve quelques heures plus tard. Là, il est 14h moins 5. J'ai fini de faire mon sport, j'ai pris une petite douche, je me suis coiffée et je viens de vous filmer une vidéo qui sera en ligne, je pense, après cette vidéo-là où je vous parle justement de pourquoi j'ai arrêté mes études et je me maquille en même temps, je me coiffe parce que voilà, de temps en temps, il faut se sentir belle. Donc là, je vais vous montrer un peu les backgrounds. Il faut que je range tout le bazar qui est là. Hop! Tout ça, et là il y a ma petite lumière. Mon setup il est comme ça. En fait, j'ai un grand trépied. Je pourrais le mettre à la place de mettre une chaise, mais j'ai vraiment la flemme de le sortir. Donc voilà. Là, je vais essayer peut-être quand j'ai fini de ranger de faire une photo. Je pensais qu'on allait faire les courses aujourd'hui, mais oula, il se passe quoi avec mes sourcils? Ah non, c'est bon. Je pensais qu'on allait faire les courses aujourd'hui, mais finalement, ce sera pas pour aujourd'hui. Je suis un peu d'aigs. Donc, je vais juste essayer de ranger tout ça, faire une photo. J'ai beaucoup de rangements à faire, surtout dans la chambre. J'ai mis un bordel pas possible. Et voilà. De toute façon, c'est à ça en fait que ressemblent mes journées. Souvent, je fais une vidéo, je fais du montage, je fais mon sport, je fais du rangement, je fais à manger. Enfin, en vrai, ça passe plutôt vite et ça m'inquiète un peu que je le vive pas si mal que ça, quoi. Dites-moi en commentaire comment vous vivez ça. Là du coup bah Chris est toujours dans la chambre. Peut-être que vous le verrez au cours du vlog, je sais pas. Et voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Donc là les gars, je suis en train de cuisiner. Donc là c'est Chris qui prend la caméra. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait des vidéos cuisine. On va essayer de s'organiser. T'as vu, je sais pas si t'as vu dans les commentaires, mais j'ai fait une vidéo pour dire que les filles on n'était pas obligées de cuisiner, que c'était pas notre devoir là. Il y a des gens qui m'ont dit ouais Chris ça se voit qu'il souffre. Moi j'ai pas vu. Non, elle est pas en souffrance, vous inquiétez pas. En ce moment, j'ai trop envie de manger des trucs de chez moi. Donc, je me fais plaisir. Mon aloco, là, il est trop beau. Et petite astuce, si vous voulez en faire à la maison, mettez un petit peu d'oignon dans la friture. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis en train de regarder la vidéo de Kadia. Son haul. Elle disait qu'elle avait commandé le jean sur Miss Empire. Et moi aussi, j'ai commandé des vêtements. Sauf que ils sont arrivés au moment où il y avait le confinement. Et du coup, ils sont arrivés dans un point relais qui a fermé. J'ai trop mal au cœur. Le jean est tellement beau. En plus, elle disait que c'était une super bonne qualité. Tout ça qui livrait rapidement. Et j'avais jamais testé Miss Empire. Donc, j'ai hâte que tout ça soit terminé. Pour enfin tester. De toute façon, je vous ferai un haul. Là, il y a la première partie qui est cuite des alocos. Et j'arrête pas de piocher dedans. Ah, c'est horrible avec les alocos, hein. C'est qu'en fait, quand tu finis de faire la première partie, il faut que tu partes. Parce que sinon, t'as fini. Là, le poulet, il est bientôt cuit. Ouh, ça cuit, hein. Un peu moins de 10 minutes. Et voilà, les gars. Franchement, vous avez vu comment il y a du soleil chez moi? Il fait trop beau. Là, il est 14h46. Donc, on va manger dans les coups de 15h. Vous savez quoi, je vais me prendre un verre de vin. Santé. Bon, le poulet, il est cuit. Regardez-moi ça, les gars. C'est magnifique. Oh, on dirait qu'il vient tout droit du ciel. Hop. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble de plus près. Ouh. Ouh. Voilà ça.
votre copine, elle a fait un travail. On va se régaler. Donc voilà les assiettes. J'ai ramené une petite fourchette pour Chris. Ça nous arrive souvent de manger dans les mêmes assiettes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et moi, mon igname bouilli, il est en train de cuire du coup. Parce que j'ai qu'une seule plaque qui fonctionne. Donc là, j'attends que Chris et Larry. Bon, les gars, je vais ranger ma chambre. Là, vous vous rendez pas compte du désastre. Je vais vous mettre de l'autre côté parce que là, ça va, c'est rangé. J'ai fait le lit. Catastrophe. Hop. Vous voyez, tout ça, c'est ce qui doit être rangé. Donc, je vais tout ranger tranquillement. Et après, je vais me préparer. Je vais pas vous mentir, on est 2 jours plus tard. La dernière séquence que vous avez vue, c'était moi essayant de faire des photos. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé. Allez voir sur mon Instagram. Je vais tout ranger. Franchement, c'est un mess. J'ai un peu honte de vous montrer ça. Mais bon, écoutez. J'espère que ça va être satisfaisant pour vous de me regarder ranger. Là, c'est des perruques que j'avais sorties pour faire mon challenge. Toujours sur l'Instagram. Parce que là, franchement, c'était plus possible. Ce matin, en fait... J'ai fait que du rangement. Et pourquoi je vous reprends 2 jours plus tard après la dernière séquence, c'est que j'ai eu mes règles. Et franchement, hier, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, les gars. Donc, je pense que là, les gars, je vous ai assez parlé. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vais mettre un petit peu de musique et je vais terminer ça.